работали. Значит, можешь купить сигареты. Я же отдавал. Le camion est en panne, la voie est bloquée, circulez. Chef vous attribuera vos fonctions. Elle se trouve de l'autre côté du camion. Medzestra Petrova, on a besoin de vous sur le terrain. Allez, mettez-vous en rang. Medzestra Petrova, vous êtes demandée à la première tente. De nombreux hommes ont été. Allez rejoindre les autres. Oh non!
bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Claire ? Rentre chez toi, Mason. Rentre chez toi. Paulina, qu'est-ce que t'as fait? Tu dois quitter Stalingrad. Tout de suite. Obersteiner! Wir haben da oben die Brecker-Gesenke gefunden! Alles voller Waffen! Fouillez le moindre recoin! Débusquez la vermine russe! Et regroupez-les! Enfoirés nazis! Je vais tous vous buter! Papa? T'as fait une grave erreur! Lâchez-moi! Vieil imbécile, tu viens avec nous! Ne capitulera jamais. Oublioski. La
Ma petite Nightingale. J'aurais dû être là, Papa Chat. Prenez... prenez soin l'un de l'autre. Granate! Scharfschütze, in Deckung! Haltet die Köpfe und...
Du calme, tu risques de servir d'exemple. Allez-y, on te lâche. Attachez, ce connard. Vous prendrez pas Stalingrad. C'est ce qu'on va voir. Enfoiré de merde. Les partisans voulaient que vous jamais quitter Stalingrad en vie. Alles klar! Werfe eine Granate! Immer weiter vorrücken! In Ordnung! Werfe eine Granate! Ja! Verstanden. Werfe eine Granate.
eine Granate! Granate runter! Je crois qu'ils sont tous morts. Tu peux nous libérer maintenant ? Serette, t'as été incroyable. On y va, tout de suite. Putain, j'ai...
J'ai eu tellement peur que tu sois... Moi ? C'est toi qui es attaché. Occupe-toi des autres. Polia ? Papa ? Il nous a quittés. Oh. Oh non. Misha ? Non. Misha ! Non. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on fasse sortir tes recrues. Si on reste là plus longtemps, on est foutus. T'as raison. T'as raison. Ok. Allons-y. Misha, on doit essayer de rejoindre la Volga. Comment est-ce qu'on sort de ce bâtiment ? Misha, réfléchis. Comment on fait pour rejoindre la rivière ? Il y a une sortie, là. On pourrait peut-être tenter de passer par les égouts, mais les Allemands bloquent la cour. Ça va pas être facile. T'as du matériel que je puisse utiliser ? Des armes ou autre ? Il y avait des soldats en patrouille sur le toit. Ils avaient une radio, mais peut-être que tu y trouveras du matos. Allez, je vais vous couvrir depuis là-haut, pendant que tu conduis nos camarades vers les égouts. Si t'es sûr de toi, Sorette, peut-être que tu peux rejoindre le toit en grimpant par là. Ça devrait te mener au toit. Viens, je vais t'aider. Je vais m'occuper de te couvrir. Je sais. T'as toujours été meilleur que moi au tir. Père est avec moi maintenant. Et je sais qu'il ne voudrait pas qu'on se fasse tuer par ces connards dans ce bureau de poste. Il serait fier de toi. De nous, tu veux dire. Amène nos camarades jusqu'aux égouts. Moi, je vous couvre depuis le toit. Vise bien, ok ? Je rate jamais. Bon, les gars, une fois dans la rue, on reste caché jusqu'à ce que Paulina soit en position, ok ? Paulina ! Paulina, tu m'entends ? Tu devrais avoir une radio. Merde, je te reçois pas. J'espère que tu m'écoutes pour une fois. On est coincé dans le cratère, près du tramway. Partisans, en avant ! Paulina, félicitations ! Rendez-vous ! On approche par derrière, de l'autre côté du cratère. Ok, tout le monde, direction les égouts maintenant. Paulina. On a besoin de temps pour ouvrir les égouts. Paulina, l'hôtel. On est coincés, ils sont au-dessus du hall de l'hôtel. Par le flanc.
l'entrée des égouts. Je vois un échafaudage dans le... Survivre à Stalingrad n'est pas un mince exploit. S'en échapper en est un autre. Mais personne n'échappe vraiment à ça. La machine de guerre nazie nous avait tous atteints, détruits en quelque sorte. Je crois que c'est ce qui chez nous a plus haut SOE. Mais pour Paulina, la blessure était plus profonde. Elle était déterminée à se venger. Et c'est ce qui faisait d'elle l'élément le plus redoutable de mon équipe. Que voilà une émouvante histoire. Tu n'as même pas pu sauver la vie de ton père. Alors dis-moi, que fait une rouge avec un vieux fusil dans une opération secrète des Alliés ? Tu ne me fais pas peur, petit rat. Oh, je crois que tu te méprends, Fräulein. Je n'ai pas besoin de te faire peur. Oui, je veux seulement te faire crier. Ça poussera tes amis à parler. Quoi ? Parce que je suis une femme ? T'es pas très douée pour ça, je me trompe. Dis-moi, quelles autres missions mènent les Alliés en Allemagne ? Franchement, rien d'intéressant. Bon. Et qu'est-ce qui est intéressant, Fräulein? Freisinger. Allez le chercher. On confirmera notre histoire ensemble. Ramenez-la. Envoyez-moi tous les fichiers sur le commandant Steiner. Et toutes les photos du sniper russe. Lady Nightingale, oui, celle-là même. Et... Hé, Freisinger, je voulais vous voir. Nous avons la confirmation de la femme. Le sixième allié est mort. Vous êtes sûr ? Un Américain, arrêté à Tempelhof, en train de voler un avion. Ça n'a aucun sens. Les prisonniers se sont moqués de vous, Richter. Et maintenant, c'est moi qui passe pour un idiot! On va amener l'Américain ici, maintenant. Et s'il faut que je l'interroge en personne, c'est que je n'ai plus besoin de vous. Thank you.
va? T'es aveugle? Je voulais juste être sympa. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai conseillé en torture. Détends-toi. J'ai menti comme tu l'as fait. Et il t'a cru? Il a arrêté de m'interroger quand j'ai parlé de Freisinger. Quand on sortira d'ici, la première chose que je ferai, c'est aller au cinéma. Voir les trois mousquetaires. Et me laisser séduire une nouvelle fois par Edith Mera. Moi et toi, Lucas, quelle est la première chose que tu feras? Moi, quand je serai chez moi, je me goinfrerai de Lamington. Du gâteau non-stop. Je sais ce qui te manque. Ouais. J'irai au bar du coin et je demanderai à la belle Barbara de me servir des pintes de bière jusqu'à ce que j'oublie avoir participé à cette guerre infernale. Je sais même pas si elle est encore en vie. Tous mes proches sont morts. Et la seule chose qui me fait me sentir vivante, c'est de voir un Allemand me supplier. Donc, je suis exactement à ma place. Wade est arrivé comme je l'espérais. Il a bien joué son rôle sans même connaître mon plan. L'équipe ne comptait pas sur lui. Mais je savais qu'il allait être aussi charmant qu'à l'accoutumée. Fais ça une fois, connard. Et toi et moi, on va avoir un sérieux problème. Votre équipe a menti à votre sujet, lieutenant. Lieutenant? Ah, c'était si difficile. Enfin, un peu de respect. Vous êtes le sixième homme. Alors pourquoi vouliez-vous cet avion? Vous, les nazis, vous me donnez presque envie de retourner dans le Pacifique. Je veux savoir sur quoi d'autre ils ont menti! Wade avait réussi à se sortir de situations bien plus difficiles. Quand il parlait de Midway, il ne lésinait pas sur les hyperboles. Chaque fois qu'il racontait cette histoire, il changeait quelques détails. Il ajoutait des zéros ou un porte-avions à son tableau de chasse. Mais j'ai lu les rapports sur cette opération. Les exagérations de Wade n'étaient pas loin de la vérité. Pour rappel, vos objectifs principaux sont deux porte-avions japonais. Les escadrilles VS et VB en prendront chacun un. L'escadrille 6 sera là en soutien. Si la météo reste clémente, on en aura fini en moins de deux. Et alors, nous aurons le contrôle du Pacifique. Maintenant, à vous de jouer. Écoulez-moi ces porte-avions. Comme si c'était pas assez compliqué. Voilà que la guerre du Pacifique en dépend. T'inquiète, Hernandez. Je suis né pour ça. Eh ben, pas moi. Allez, Jackson. Ils ont fini de réparer notre appareil ce matin. Ils nous attendent sur le pont d'envol. Il a un nom? A baptisé l'avion. Notre avion. Et tu m'as rien dit? T'avais qu'à demander. S'ils s'étaient plantés sur la position de la flotte... Ils ont pas intérêt. Si la mission est un succès, on entrera dans l'histoire. Ouais, alors, personnellement, je préférais quand même rester en vie, donc si tu pouvais y aller mollo sur les cascades... Les cascades? Tu me fais de la peine. Ce type. Et tu te demandes pourquoi t'as pas encore été promu? Et pourquoi ça, gros malin? Parce que c'est pas le cirque Wade Jackson, ici. On est en guerre. On veut juste gagner et rentrer chez nous. Content pour toi de descendre les zéros à mes trousses, moi je nous sors de là. Hé hey, retenez l'ascenseur!
te tiens, Jackson. Fais-nous monter! Si on réussit, tu crois qu'on aura droit à combien de médailles, Jackson? Si on réussit, ils fileront nos noms à des médailles, Miller. Bon, essaie de te rappeler qu'on forme une équipe. Et reste en formation cette fois, sinon Davis sera ta peau. Ah, on se traîne en formation. Tu vois ce que je dois supporter? Regarde ça. Quelle belle journée pour nous. On va espérer que ça dure. C'est l'heure! Faut se mettre au boulot! Notre pari, attends! Je parie 10 balles que j'abats plus de 0. Non, pitié, n'encourage pas! Radio pour Sugar 17. Reçu 5 sur 5. La radio fonctionne bien. Hé, hey, c'est l'heure de la visite, Prévol. La vérifier les couverts à l'arrière. C'est bon, couverne ok. Ok, Jackson, regarde les ailerons. Aile droite, ok. Parfait, maintenant l'aileron gauche. Aile gauche, ok. Bien, fais tourner le moteur, pour être sûr qu'il va pas nous lâcher. On run. Génial, tu peux arrêter, Jackson. Sugar 17, ici Tower, vous avez l'autorisation d'écouter. Bon, maintenant faisons le volet. T'es prêt, Hernandez? Tant qu'on puisse l'aide quand on dépend de toi. Allez, c'est parti, pleine puissance. Fais pas le malin. T'es pas drôle. C'est pas censé être drôle, du con. Mais sinon, tu peux me dire comment tu l'as appelé? De quoi tu parles? Bah, de cet avion. T'es encore là-dessus? De quoi tu veux qu'on parle, sinon? Eh bien, reste mystérieux. Tu gardes à tous les appareils, Victor. Qui n'est pas en formation? Il y a quelque chose qui cloche. Oh putain! Putain, merde! Zéro ne sort de nulle part! Ils ciblent nos bombardiers torpilleurs! Les chasseurs n'ont pas encore décollé. S-17, chargez-vous de ces appareils ennemis. Je m'en occupe! Tu couvres nos arrières, Hernandez? Mitrailleuse sortie! Laisse pas approcher des bombardiers! Rejoins l'escadrille. Je subis trop de tirs. Je me fais canarder. Les gars, et vous finirez peut-être comme Jackson. Mon Dieu, j'espère pas. Attention à l'artillerie anti-aérienne, les gars, on approche de la flotte.
flotte japonaise est juste en dessous. Aidez, je dois me blesser. Bien, Hernandez. On se resserre, attention aux projectiles traçants. Altitude. En pile pied. Gaffe au canon, très bien. En pile pied. À tous les bombardiers, on s'approche, utilisez vos viseurs. Arrête! Maintenant, bordel, maintenant! Remonte, remonte! J'irais bien qu'on a réveillé la bête! Si elle est saturée de zéro, faut qu'on se dégage un passage! Possible de prendre de l'altitude sans se rabattre par les canons anti-aériens. Alors, volez pas, les gars! Ils vont décoller d'autres zéros! Merde, ils sont trop nombreux! Commence à y avoir du monde ici! J'ai besoin d'aide! Aérien. Alors volez pas les gars. Ils font décoller d'autres zéros. Il commence à y avoir du monde ici. Je t'en voudrais ça. J'ai un zéro dans mon sillage. Viens viser. Ah merde. Toi, t'es mort! Attention, renfort en approche! En voilà d'autres! Impact! Ouais! En train de lancer une nouvelle vague! C'est de la folie! Ils viennent tout, putain! Faut d'abord éviter ton héros, Kevin! Jackson, un ennemi à moi. Merde. Bon, appelez d'autres zéros, ils arrivent. J'essaie de les tendre. Et laissez pas me suivre. Tous les bombardiers torpilleurs se sont fait descendre. On se fait canarder, faut qu'on remonte. L'escadrille IVT ne répond plus, on subit trop de merde. Lâche pas, putain! Comment on est censé gagner? On a perdu la moitié de l'escadrille! Zéro! À 8 heures! Pas aujourd'hui! J'ai besoin d'aide. D'autres zéros arrivent. Ils sont trop nombreux. On subit trop de pertes. À 10, il n'y aura plus personne pour bombarder. Faut qu'on fonce. Oh merde, c'est la fin pour toi. Attention, à 3 heures.
secteur. Zéro en approche à 4 heures. Oh putain! Appareil ennemi à 4 heures. Canon anti-aérien ou pas, faut prendre de l'altitude. Appareil ennemi à 7 heures. À tous les VS et VB, regroupez-vous pour un deuxième passage. Montez vers les nuages. Merde, si je comprends bien, on est foutus, pas vrai? C'est pas encore notre heure. S-17, à tous les pilotes qui ont encore des bombes. Regroupez-vous et préparez-vous pour le dernier plongeon. Attends, quoi? Montez aussi haut que possible pour le deuxième plongeon. Ah, ils sont derrière nous! Putain, les gars! Ils continuent de nous tirer dessus! Maniez-vous! On sera bientôt hors de portée! C'est bon, les tapés? Je les vois plus, là. Attention, attention! Ils vous ont bien allumé, ça va? Impeccable! 0-3 devant! Attention! Abattez-les! Ne cassez pas la formation! On doit les exploser! Zéro, on approche sur nous. Continuez de gagner en altitude jusqu'à ce qu'on survole la flotte. Détruisez-les. La flotte est là! Préparez-vous au bombardement! Faut qu'on détruise le deuxième porte-avions. Qui a des bombes? S-18 affirmatif. S-3, viens! S-17 en a une, c'est bon! Quelqu'un d'autre? Ok. S-17, S-18, tout repose sur vous. Placez-vous derrière nous et tirez dès que possible. C'est une limite, non? Juste ce qu'il faut! À tous les appareils, empêchez-les de tirer sur S-17. Altitude! Activez mon service! Alors accroche-toi bien! Jackson, à vous de jouer! Parfois. Encore quelques centaines! Encore un peu! Arrêt! Maintenant, Jackson! No!
accoudé. Freisinger, c'est une honte. C'est une trahison de premier ordre. Freisinger, vous allez en entendre parler. Votif, sale pote. Freisinger. Que se passe-t-il encore? Hitler est mort. Quoi? Comment? Un coup des alliés? Les rapports indiquent qu'il s'est suicidé. Mais... sans la Führer... on est fichu. Vraiment. De nouvelles informations. Comme vous le soupçonniez, l'Américain était le sixième homme. Mais je crois les avoir enfin brisés. Ça me fait de la peine de voir notre belle patrie souillée. Sale russe qui plus est. Il n'y a plus rien pour nous ici. Pour que le Reich puisse perdurer, il faudra que l'accès à Tempelhof soit sécurisé. Je vous faisais confiance, Richter. Mais vous êtes devenu non essentiel. Quoi? Non, 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 monsieur! J'obtiendrai ce qu'il vous faut. Je vous le promets. Vous manquez de temps. Je comprends. Mein Führer. Je vais le tuer. Richter est à nos trousses. On n'a plus le temps. J'ai essayé de nous dégoter en avion, mais ça a foiré. Et quand je suis arrivé ici, vous étiez déjà enfermé. Alors j'ai emprunté une bombe rouge et je me suis rendu. On a environ... environ une heure avant que ce mur explose et qu'on foute le camp d'ici. Si on survit jusque-là? Il n'est pas fiable. C'est qu'un putain de pilote. Pas n'importe quel pilote. Je suis un as. Je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce que t'y connais en explosif? Ah ouais? Toi aussi, je t'emmerde. Je vous assure qu'on peut lui faire confiance. Eh ben voilà. Ouais, il est tout à fait capable de nous sortir d'ici, avec les fichiers. Vouloir voler trop près du soleil, on finit par se brûler les ailes.